State's Police Department. Oui, approuva Hardy. Nous avons vérifié les antécédents de Bora et Dillon auprès d'eux, puisqu'ils venaient de Dallas. Ils nous ont appris pas mal de choses sur Bora. Il y avait deux accusations contre lui, pour pornographie, et les gars de Dallas nous ont dit de contacter le bureau du chef d'Hector Conti. On les a appelés, et ils nous ont dit que Bora avait été suspecté d'un meurtre là-bas, peut-être deux. À Dallas, il était connu comme le roi du porno. Ils lui ont mis la pression alors qu'il est venu à Tyler ouvrir des clubs. C'est une façade parfaite pour ce qu'ils font. Drogue, pornographie, n'importe quoi. Ensuite, on nous a dit qu'un gars avait rendu visite à Bora et Ilyn au club. On a réussi à découvrir son nom. C'était un membre du crime organisé. On est en train de parler de gros poissons. Si vous faites le tour de Tyler, vous découvrirez que c'est un endroit tranquille, Craig. Personne ne veut ce genre de situation ici. Les gens vous soutiendront. Matthews opina. Je suis heureux de l'apprendre. Et en termes d'argent, quel est notre budget pour cette opération ? Il faut de l'argent pour arrêter un type comme Bora. Hardy sourit. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'aurez, assura-t-il à Matthews. Matthews apprécia. Beaucoup de départements de police opéraient avec des budgets limités, ce qui rendait les arrestations très difficiles. S'il n'y avait pas d'argent pour faire des transactions, réussir à monter un dossier était peu probable. Vous avez un dossier sur Bora ? Lusk le sortit d'une armoire. Le voici, dit-il en le tendant à Matthews. Kenneth Andrew Bora, était-il écrit sur la tranche du dossier. À l'intérieur, il y avait le casier judiciaire de Bora, issu de l'Austin Department of Public Safety. Deux citations pour obscénité à Dallas. Les amendes avaient été payées par d'autres poursuites engagées. Une contravention pour excès de vitesse. C'est tout, demanda-t-il avec perplexité. Vous voyez ce que je veux dire, répondit Hardy avec excitation, en pointant du doigt le dossier. Obscénité, c'est le porno, ce que je vous avais dit. Ouais, acquiesça Matthews. Il était sceptique, mais il avait besoin du boulot. Il soupira, ferma le dossier, et se souvint de la déclaration d'Hardy. Si nous n'en poursuivons qu'un, ça doit être Bora. Bon, je viens vous lire, malgré certains excès de vitesse, on est toujours sur un livre, et là où je reprends du poil de la bête, c'est que finalement, ça me redonne un petit peu le goût. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Perso, je lis des livres par maison d'édition. Je me fous de savoir qui écrit, de base. Et parfois, les livres viennent me chercher. Parce que je suis interpellé par certaines choses. Là où vous avez du très très lourd, ça c'est du très très lourd, c'est de l'or en barre. Pourquoi les policiers du coin, quand ils ont lu justement... C'est un roman, mais en fait, c'est un témoignage. Quand ils ont lu le témoignage, ont voulu supprimer les livres, c'est que c'est beaucoup plus important que ce que vous pouvez retrouver. La quatrième de couverture le dit. Ça se lit comme un roman noir de Jim Thompson ou de James Ellroy. Je connais beaucoup plus James Ellroy. James Ellroy, c'est quelqu'un qui a vécu dans la rue, qui s'est drogué, qui s'est flingué la tête et qui a pu écrire sur une expérience vécue. Ça, c'est de l'or en barre, parce que finalement, même si c'est un roman, on pense que c'est un roman, c'est un document, parce que ça apprend beaucoup de choses sur ce qu'ils font, comment ils travaillent, sur le travail d'un policier à cette époque au Texas. Et là où le livre, évidemment, fait un petit peu de la vente pour nous dire « Ellsworth assiste au quotidien d'une police corrompue, raciste et avinée », c'est qu'il faut bien le vendre. Après, c'est pas forcément ce qui me plaît dans ce discours. C'est pas ce qu'on voit tout de suite. Et des bouquins, j'en ai lu. Ce qui me plaît, c'est pas forcément d'avoir une enquête, un bouquin policier qui plaît bien aux Français, avec des révélations. Sulfureux. Sacré réalisme. Ce qui manque pour même les romanciers les plus imaginatifs, et ceux qui font les plus grandes enquêtes, ce qui leur manque, c'est des documents, c'est quelque chose qui fournit, et peut-être qu'ils aussi réussissent à récupérer ce type de documents. Mais là, on est avec ce monsieur qui écrit justement sur ce qu'il a connu. Alors, je ne vais pas tout vous lire par rapport à ça, il nous reste quelques minutes. Donc on est parti sur Bora, ils veulent le faire tomber. Alors... Je vais aller un petit peu plus loin. Mais bon. Si on a du gratiné,